bien le bonsoir. On va réaliser ce soir une vidéo de montage sur une marche bras que se sert Christophe Delmas. Je vais essayer de la réaliser et de faire la vidéo de montage. Voilà. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un hameçon donc de 12 avec un fil de montage marron foncé de chez une charrette en l'occurrence ou tout autre. Il me faudra donc du faisan pour faire les sacs et le corps. Ensuite, il me faudra aussi du chevreuil. Il nous faudra du dubbing de lièvre naturel. Il nous faudra aussi du cul de canard naturel de chez soit de charrette ou tout autre, mais naturel. Voilà. Et ensuite, il nous faudra aussi un petit incel de chez De Charrette, en l'occurrence couleur bronze, qui va nous servir à cercler le corps et un peu à le rendre plus solide. Voilà. Donc, on monte le corps avec le fil marron. Ensuite, essayez de prendre des de pendre les plus longs possibles pour faire le corps surtout. Hop, ici, voilà, je vais faire donc des cercles. Ici, hop, il faut positionner comme toutes les mouches sèches, on essaye de faire à peu près les mêmes valeurs. Ainsi que on sert dans les cercles, cette valeur équivalente au corps, c'est mon principe à moi. Après, je ne sais pas comment font les autres, mais c'est mon principe à moi. Voilà, donc ici, je vais fixer donc de faisant pour faire donc tout simplement encore. Voilà, là-dessus, je vais fixer mon tencel couleur bronze. Et ensuite, donc, pour faire le corps, c'est pour ça que je dis de prendre du faisan le plus long possible. Donc voilà. Là, je prends par habitude 5 fibres de faisan. Que je vais attacher à l'envers ici, et avec lequel je vais former mon corps. Ici. Donc je vais les attacher ici. Et en même temps, donc, mais je vais faire comme je fais toujours et d'habitude, donc je vais faire une petite forme de corps conique. Je vais essayer toujours de faire le même montage que Christophe. Voilà, donc ici on donne un petit coup pour faire un peu le corps conique. Ça donne une très jolie forme au corps une fois qu'on a le faisant. Voilà. Et ensuite, mais il ne reste plus donc à prendre les fibres et de les tourner.
pour former le corps. Alors, à plat de préférence, c'est pour ça que j'en prends 4 ou 5, de préférence 5, bon, ce qui me concerne. Et donc, je vais le tourner pour faire ce corps. Voici. Deux tiers, un tiers, comme on fait d'habitude. Voici. Hop, on attache. Voilà. Et on coupe d'or l'excédent. Voici. Ensuite, donc, on va prendre le tencel que l'on va tourner. Alors, on le tourne toujours à l'envers pour fortifier les fibres de faisan, sans trop serrer, simplement on fait 3-4 tours maximum au niveau du corps. Alors pourquoi ce tencel? Parce que tout simplement il donne une certaine brillance au corps qui est naturelle sur l'insecte. Quand on le regarde, il a une couleur un peu brillante. Et puis bon, ça fait une entrée, une attirance supplémentaire sur la bouche. Voilà, donc une fois que nous avons fait le corps, ici, donc je vais reprendre des fibres de faisan. Et là, je vais en prendre 6 ou 7 même. Voici. Et ces fibres, je vais m'en servir, tout simplement, tout à l'heure, pour faire une séparation des ailes. Voilà. Soit vous le faites donc avec du faisan, pour faire la séparation des ailes, soit vous le faites avec du floche, une floche noire, une floche marron, peu importe. Vous avez cette opportunité. Personnellement, je préfère le faire avec du faisan, restant dans les teintes de l'insecte. Voici. Une fois donc que j'ai mis un ensemble ici, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière ici, passer derrière, et je vais préparer ici pour faire un demi de lièvre tout à l'heure. Pourquoi? Parce que cela va me permettre de faire l'imitation tout à l'heure ben, du thorax et en même temps des pattes. Voici. Donc je le mets en attente ici. Ensuite, donc je vais prendre mon cul de canard. Alors, je prends deux plumes de cul de canard. Voici. Alors, soit on se sert de pince pour séparer les fibres, soit on le fait avec des doigts. Personnellement, je préfère le faire naturellement. Avec les doigts, c'est bien plus simple. Et je vais tirer tout simplement. C'est là, je vais prendre une petite ferme de pince, je vais le mettre en attente. Voici. Et je vais reprendre l'autre côté. Je vais refaire la même chose. Et hop.
je vais les mettre ensemble. Voici. Et je vais couper tout ce qui est un peu le petit rachis. Ici. Voilà. Et je vais l'attacher tout simplement. Ici. Voici. Je laisse tout ceci en attente. Alors, avec l'ongle, je vais faire une séparation, puisque tout à l'heure, je ferai, pour avoir du même côté de l'un ou de l'autre, de chaque aile, avoir les mêmes valeurs en queue de canard. Voilà. Ici, je vais couper l'excédent une fois bien attaché. Et ensuite, donc, je vais prendre ma chevreuil et je vais prendre une pincée de chevreuil. Voici, hop. Alors, ça. Voilà. Donc, perso, avec une brosse, donc, j'élimine le maximum de petits duvets qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Ici. À peu près ce qu'il me faut. Et voici donc pour former un peu les ailes, vous le savez, pour attacher du chevreuil, on ne serre pas la première fois, on finit de serrer à la deuxième et à la troisième fois. Voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, je dis ça pour ceux qui commencent parce que c'est pas évident au début. Voici, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on recoupe. Excellent, ici. Attention à ne pas couper le fil. Pour renforcer tout ceci. Voilà. On va reprendre donc tout ceci, on va le ramener vers l'avant. Et avec les fibres du faisan, on va séparer en deux. Ici, d'un côté et de l'autre, pour donner à peu près la même valeur. Faire les ailes. Voici, à peu près. Équitablement des deux côtés. Voici. Et je vais séparer. Là, je vais juste le serrer un petit peu. Voilà, ici. Voici. On va l'attacher un petit peu. Voilà. On recoupe l'excédent ici. On va donner un tout petit ici. Voici, on va faire juste un petit ici, tout simplement,
pour attendre. Et là, je vais faire mon dubi de lièvre. Voici. Alors, ça paraît beaucoup ce que je vais mettre, mais vous savez comment je fais chaque fois que je mets un dubi. Et pourtant, si à la fin, il ne reste pas grand chose. Voilà, une fois que j'ai fait ma séparation, je ramène tout vers l'avant et je vais passer avec mon dubi de lièvre à l'arrière pour former donc mon thorax. Voici. Ah, ça va me permettre de ramener mes ailes vers l'avant. Voici. On passe ici. Ensuite, je vais passer deux fois devant. À aiguiser. On vernira un petit peu. Voilà. Ici, on va couper. Ici. Et on se retrouve donc avec un ébouriffé parfait. Voilà. Alors, pour couper l'ensemble, ben c'est très simple. Personnellement, je l'enlève. Voilà. Donc, c'est ceci, vous le ramenez vers l'arrière et avec ce doigt ici, ben, tout simplement vous le mettez à l'arrière et vous lui donnez la coupe que vous voulez lui faire, plus ou moins grand. Perso, je donne toujours et je fais toujours une coupe un peu plus importante pour une simple raison, c'est que lorsque je suis au bord de l'eau, si je considère que c'est trop grand, mais je coupe un peu. Et vice versa, tout dépend de l'éclosion du moment, si elle est importante ou pas. Voici. Voilà. Et voici. Voilà la forme que je lui donne. Donc là, on va donner un petit coup dessous, ici. Tout simplement. Voilà, on va revenir vers l'avant. Et
va se retrouver avec tout simplement des ailes séparées. Et on aura à peu près un... Voilà. Pour finir, on va lui donner un tout petit coup de briquet pour lire. L'ensemble. Alors l'avantage de faire une mouche avec des poils de chevreuil et du cul de canard, l'avantage c'est qu'en fait elle pénètre bien dans l'air et elle n'a pas tendance à briller. Lorsque l'on met des éléments qui sont plus ou moins rigides, donc on brille tout le crin, même si c'est du 14. Ou alors il faut être très 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 doux. Perso, je préfère faire avec ça, l'air pénètre dans l'ensemble, donc on a moins de vrillage dans le crème. Voilà, un montage qui est très agréable, efficace aussi. Voilà. Je vais, par la même occasion, je vais prolonger cette vidéo pour faire Oui, comme je disais tout à l'heure, je disais simplement que je me sers d'une mouche donc toute l'année, qui est l'équivalente de ça. En fait, je la monte, c'est une similaire, moins compliquée à monter. Donc pour cela, un hameçon de 14 tout simplement, auquel vous attachez toujours pareil des fibres de faisan. Alors les fibres de faisan, il ne faut pas en mettre trop, c'est-à-dire 4 maximum. 3 suffisent, mais toujours j'en mets une de plus parce que le faisan se casse assez rapidement aussi dans les dents de la truite. Voilà, donc je préfère en ajouter et pouvoir avoir une mouche qui me serve un peu plus longtemps. Ceci étant, voilà, donc hameçon de 14, fine toujours marron. Là-dessus, on attache simplement donc ce faisan avec un fil derrière pour renforcer, torsader ceci avec le fil. Et donc, on fait toujours le même principe pour le cercle, avoir à peu près la même distance que le corps. Voilà, donc là je vais enrouler tout simplement dans mon faisan pour le renforcer par rapport au dents de la truite pour qu'elle ne s'abîme que le moins possible. Voici, et une fois qu'on l'a fait, il suffit simplement de tourner tout l'ensemble. Voici. Voilà. Quelque chose de tout simple, vraiment très simple à monter. Et très efficace. Et donc je disais que c'est une mouche sèche que je me sers souvent. Je faisais partie à l'époque, donc comme je disais, d'un club. Je m'occupais de ce montage, et ça c'était une mouche que je faisais monter à tout le monde par simplicité, parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez efficace. Là-dessus, donc, je vais reprendre, comme on me revient fait, hop, un petit cul de canard. Voici, hop, je reprends toujours la même chose. Donc, je refais toujours dans le même principe ceci. Alors, il ne faut pas que ce soit très garni, mais au contraire très simple. Voici. Ceci, je le rattache ici.
aussi. Voici. Je reviens derrière. Ici. Et je vais prendre simplement du vin de lièvre. Avec des poils un tout petit peu plus courts que je vais enrouler sur mon fil. Voici. Voilà. Et ceci, je vais le tourner tout simplement autour ici. Plus simple, on meurt. Ah, voici. C'est fait. On coupe ceci. Avoir une petite manche qui va vous servir toute l'année. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous remercie de votre attention. À très bientôt. On est reparti, tranquille. Je mets juste derrière le temps pour avoir hop, le poisson et toi. Elle est calée au fond. Non, mais justement, c'est normal. Avance-toi un peu vers elle, maintenant. Et penche vers la droite, ta canne. Vers la droite encore, penche à ta canne. Voilà, très bien. Elle va commencer à bouger. On l'avait dit aujourd'hui. On va commencer à bouger. Là, vers l'arrière. Là, vers la droite. Penche vers la droite. Elle va tirer, ça va la crever un peu. Là, tu la ramènes là, dans l'autre sens. D'accord. Tranquille, voilà. Ramène-la dans l'autre sens à nouveau. Voilà. Tu peux pas là. Terminé. C'est autre chose ça. Ah oui, 75 aujourd'hui, je te l'ai dit. Trois, hein. J'en pique trois de trucs énormes. Hein.